retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir sur mes réseaux sociaux, on est revenu au Québec où on était parti en Floride pendant au moins plus de 2 semaines en vacances. Puis là, c'est le retour de la neige. Puis vu qu'on est au mois de décembre, aujourd'hui on est le 1er décembre, et puis on s'en va chercher notre sapin. Et donc on vous emmène avec nous aller voir une sapinière, et puis on va aller couper notre sapin, et puis l'emmener chez nous, et puis après le décorer, et puis tout, et tout, et tout. En tout cas pour la sapinière, je vais tout vous mettre, l'adresse, l'horaire, et puis les tarifs du sapin, les différents tarifs. Et puis, voilà. Donc je vous emmène avec nous. Puis je vous dis à bientôt. Bye bye. Bon là on est sur une zone glissante. On va faire attention parce que je me suis déjà cassé un bras il y a un an. Donc fais attention. Bon l'hiver, moi je me suis mis au crampon hein, parce que j'ai pas envie d'avoir une deuxième fois le bras cassé. Hein. Donc, fais attention. Puis là il y a Mika avec Eden dans sa poussette, il a mis son beau manteau d'hiver. Vous voulez voir? Regarde. Ouh, fais attention. Oh, Eden, t'as sorti ton beau manteau? Hein? Attends, il y a une voiture qui va reculer. Elle a déjà pris son sapin. C'est pas con, hein? Hein? La luge est utilisée pour le sapin. On a notre instrument de torture. La scie. La siotte. La siotte en québécois, oui, bah oui, bien sûr. Et voilà, on a trouvé notre petit sapin. Non, je rigole. On vise un peu plus haut. Bon, je vous dirais qu'on est un peu difficile. Hein. Que ce soit sapin, restaurant, tout, on est super difficile. On a du mal un peu à s'arrêter à un choix. Mais on va y arriver. Et hop, c'est parti. On se tâte sur 3, on va dire. Alors il y a les couleurs jaune, orange, rose, rouge. Pour savoir quelle est la taille et le prix. Ouais, alors c'est 30$, 35$, 40$. Alors l'orange, on sait pas, on va se renseigner, on vous dira. Mais on se tâte sur. C'est un rouge. Un rouge, à celui-là qui est plutôt pas mal. Celui-là, comme je vous montrais, qui a l'air un peu plus gros. Et puis un orange, qui est un peu plus par là-bas. Ouais. Bon. Donc on va se décider. Hein. Et Mika va couper. Voilà. Bon, on a fait notre choix. On va partir sur celui-là. Un rouge. Mika prépare la scie. Attention. Attention au bébé. Eden a les gros yeux, je sais pas si vous voyez, mais attention, regardez. Gros yeux sur son père. Mika va commencer à couper le sapin. Je suis pas bûcheron. Bah non, t'es pas bûcheron, ça c'est sûr. Bah tu coupes en bas quoi, c'est logique. Il se coupe trop vite. Allez, venez voir, rapproche la caméra. Je suis déjà en bas. T'es soufflé déjà, Mika? Ça va, non. Là, elle se coupe bien. La scie est bonne. La scie est bonne. Mais on fait des photos? Ah oui, peut-être qu'on va faire des photos, ouais. On vous revient après. Que ce sera tombé. Dans le prochain épisode. Et voilà, notre sapin est couché. Mika fait des retouches. Ça va, pépé? T'as pas froid? Maman, elle a pas mis ses gants. Elle a un peu froid là. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, ouais. Oh my son, c'est moi. Je chante très très mal. Oh, hi, oh, hi. J'espère qu'on a bien fait de choisir celui-là. Il a l'air beau de toute façon.
Il y a Mika qui porte le sapin là. Un vrai Canadien. Hein. Il a l'air vraiment beau notre sapin. Hop, on va le décorer. Eh pépette, doucement un petit peu. Notre sapin est bien emballé. Ça, c'est sûr. C'est de l'emballage. Hein. Gros saucisson. Gros saucisson, ouais. Allez, c'est parti pour la caisse. Is a bluebird here to stay? Is a new bird? He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland.